prière, béni mi balé. Tu sang ici, la forme à ciseaux. Oyo wekati singa seliba. Avec Dieu, to benga mi ba marié. Hier célibataire, les loto komi marié. Le mariage, mais t'es maïa bato loco la va passer pas. T'as ma bêtue visa y'a libala. Vous allez vous rapprocher. Je crois que tu attends aujourd'hui, que tu attends, mesdames, tu es là. Qu'est-ce qui a été fait? J'aimerais intervenir sans l'interrompre, mais je l'interromps quand même. C'est juste un complément. Évidemment, ça intéresse les gens qui entendent parler du mariage coutumier, mais qui n'en savent rien, notamment ceux qui sont de nos origines, mais qui ne sont pas nés et grandis là-bas. Voilà, le mariage coutumier, c'est le mariage à la façon des Congos.
parce que nous nous sommes des Congo. Comment on unissait une femme et un homme chez les Congo avant d'aller faire le mariage traditionnel français qui est devenu le mariage officiel. Dans la tradition française, le mariage qu'ils font, c'est celui de la mairie, hein, qu'ils appellent mariage officiel. Et donc le nôtre, qui était aussi officiel chez nous, qui comprenait la colonisation et tout le reste, a eu un adjectif assez, je vous laisse le qualifier, voilà, traditionnel. C'est pour des raisons un peu, voilà, coloniales. Bon, donc ce mariage-là, c'est comment on mariait une femme et un homme chez le Congo, chez les Congos. Et donc, avant d'aller donc au mariage officiel, il fallait que l'homme se présentât ou que se présente chez l'oncle de la femme. C'est l'oncle de sa dulcinée, de la femme qu'il veut faire son épouse. C'est l'oncle qui prend ce qu'on appelle la dot. Donc ce qui va se passer ici présentement, c'est que ils ont sollicité la main de Nanit. La famille a dit, pour que je vous donne notre fille, vous devez nous apporter ceci et cela. Un bol, du sel, du tabac, pas mal de petits trucs comme ça que vous verrez tout au long de notre discours. Vous imaginez bien que nous ne sommes pas sympas du vin de palme ce soir. Hein, vous risquerez de voir, peut-être même pas du vin rouge, mais enfin, vous verrez certaines choses. Donc, tout ce que vous ne verrez pas sur place est monnayé. La dommage, c'est dans notre coutume, quand on donne notre fille à quelqu'un, et bien la personne nous donnait une dot, c'est une somme symbolique. Voilà. Des fois, ça va avec le statut de la femme. Des fois, c'est en fonction de la famille. Donc, il y a des familles qui disent pour 1 euro symbolique, voilà, on donne notre fille, et puis voilà. Donc, il ne s'agit pas de la vente, il s'agit d'honorer une famille. Et c'est ce que M. Keba entend faire cet après-midi pour la famille Kifula. Honorer la famille Kifula. Et donc, s'il tient l'honneur, il peut aller jusqu'à 10 000 euros, 20 000 euros, et puis on verra bien comment ça va se passer. Voilà. Bon, ben, en tout cas, merci du complément. Effectivement, c'est ça. L'objet de cette séance. Alors, honorer effectivement la famille de Kifula. Alors, le guide de Tata. Voilà. Alors, il fallait remettre déjà les choses au point. Nous allons passer maintenant à l'essentiel. Il n'y en a pas que ça. Tu peux parler s'il te plaît. Tout sur les quais pour aller effectivement au fur et à mesure que je vais énoncer. Hein. Donc c'est les étapes, là c'est l'introduction. Voilà. On a la même liste. Voilà. Il y a un livre qui sera composé par Je veux que vous m'apportez les 3 packs Eneken, plus 3 packs Colombo. D'accord. Bon, ouais, merci si tu veux bien. On est sur d'abord et puis très bien. Il est sûr que ça sera je vais dire sur autre chose. Et donc, voilà, on est sur la LKL, 3 packs de Colombo. C'est des 24 canettes, on a 24 canettes chaque. Et je vais apporter maintenant 2 packs de Colombo. Plus un casier de lait. Un pack de photos, voilà.
Mon beau. Ça, j'ai voulu anticiper pour qu'on nous amène. Mais avant toute chose, on va essayer de remonter, effectivement, parce que là, je vous les présente, mais je ne suis pas encore allé, tout comme je n'ai pas encore frappé, vous voulez bien, à la porte de la famille. Donc, ce qu'on appelle en langue Congo, le Nkotoloyanzo, Nkotoloyanzo. Nkotoloyanzo. Effectivement, mon grand-père disait Chopa. Ça me donne un goût parce que vous êtes là. Il doit vous t'habiller. On va accompagner ceci donc Nandlankanda. Et pas que M. Elekel pour accompagner effectivement. La discussion a été pour accompagner. Nandlankanda. C'est après qu'on est accompagné, hein, c'est vraiment chez les Congo. Et pas qu'il y a Colombo. Oui, il reviendra. Et donc, pour la dot, c'est ce que j'ai énuméré ici, 3 packs d'Eneken, 3 packs de Colombo, 2 packs de Belfort, un casier de l'EF, un pack de Coca-Cola, plus un pack d'Orangina. Il y a un pack de Copetina, on n'en avait pas trouvé. Donc, je crois qu'on a dû. C'est bon. Donc voilà, pour ce qui est de la boisson, le tout est levé de Chia, et quand une deuxième partie, tant que tu d'autres, tu es là, tu es congoté, tu es joué de lit, tu es zakassé, tu es là, tu es là, donc c'est pour que vous ayez une meilleure perception des choses. Là, c'est la présentation. Salut, que j'ai écrit chez les gens. J'ai écrit à une famille pour faire une demander la main de leur fille. Ce que nous appelons la modernité chez nous aussi était pratiqué. Nous aussi, nous savons accueillir ou nous savons aller chez les gens. Voilà, donc je viens toquer chez vous, vous m'avez ouvert la porte, voilà, je vous apporte ça. Donc normalement, quand on est bien élevé, quand on est civilisé, dans le pays où on habite, quand on va chez les amis manger, on doit ramener une bonne bouteille de vin, on doit ramener des fleurs, n'est-ce pas, à la maîtresse de la maison. Si, voilà, on est invité quelque part, plutôt que de penser à sa cravate, à sa chaussure, on devrait penser à quoi amener, voilà. Pour aller partager du plaisir avec la personne qui vous propose l'invitation. Voilà. Donc c'est ça. Et puis, ils nous envoient un courrier, on n'est pas obligé de répondre. Positivement ou négativement, on n'est pas obligé de répondre.
Et quand on vous répond, vous écrivez à l'administration. Je suis immigré ici, je quitte le Congo parce que c'est chaud, je vais réhabiter chez vous. Voilà, le préfet vous répond. Monsieur, vous êtes admis dans la citoyenneté française, voilà, vous devenez français ou résident ou je ne sais pas quoi. Et bien vous dites merci. Voilà, donc la là ici, je caricature, mais enfin la famille a reçu un courrier et a répondu à la famille, voilà. Et pour nous remercier, montrer leur reconnaissance ou leur gentillesse, voilà. Donc ils nous donnent ça. Ça, c'est cette partie. Et donc là, nous abordons ce qu'on appelle donc la dot. Et donc la dot, c'est ce que vous voyez là. Ce que vous voyez là, avec la suite qui va... Merci. C'était juste pour faire un petit break. Et donc nous continuons. Donc tu as un ton de le guani. Tata Jean-Claude qui représente la famille Bounoubouné de Mouarouta. Ben, tu vois que tu n'as qu'un cas de bougie, tu vois bien que tu n'as pas de bougie. Tu n'as pas de bougie. Magnum, tu n'as pas de tini. Tu n'as pas de bougie. Tu n'as pas de bougie. Je n'ai pas un machin. C'est pas grave. Là aussi, le compte est bon. Pour gagner du temps, on peut ranger tout ça. Et donc, on va attaquer la suite de la liste. Voilà, donc... merci. Et donc, on va continuer, comme je l'ai dit tantôt, sur l'interprétation de la liste. Donc, le Rundala, va attaquer les 12 dames jeunes à 22 pas. 12 dames jeunes. Les 12 dames jeunes à 20 de palme. Comme je l'ai dit tantôt, je l'ai signé tantôt qu'il y a des choses que vous ne verrez pas ici. Allô, mon radio, Bina. C'est bon, c'est bon. Pardon, pardon. La pile à côté. 12, oui. Donc, 12, donc en fait, on a remplacé les 20 de palme par. Je vais faire. Par 12 bouteilles de. Voilà. Et encore, vous m'apportez une dame Jeanne de Bonfin. Voilà. Le premier, c'était le vin de Pâques, si vous voulez bien. Et une dame Jeanne de vin rouge, donc les 12 bouteilles sont là. Et j'aurais besoin d'une bouteille de double whisky et Jack Daniels. Je reprends encore les articles que vous ne verrez pas ici. Seront payés là-dessus. Vous ne verrez pas ici. Donc ça, c'est directement avec le goût de la vie. Voilà. C'est bon? Bon, il a été écrit que amende pour cohabitation avant mariage et amende enfant hors mariage. Bon, il est légitime. La carrière va déjà faire être qu'à côté là. Puisque Tegret a ça, nous pouvons gagner nos lourds, bah on va donc, bah mon anantama, effectivement, ils ont cohabité. Si, du bouta, moi. Donc, on va dire amende pour cohabitation avant mariage. Et encore, amende enfant, donc le fait d'avoir fait un enfant hors mariage. Donc, bon, on va dire que tu vas te dire ça. C'est bien. Moi, là, au bout du pays, c'est une bonne chose. Car le monde le foutu foutu parce que le côté de la porte principale, quoi. Moi, là, hein. Moi, fenêtre, le jour, là, quand on côté de la fenêtre, le pôle était là. Le monde le foutu foutu. Car le monde, là, 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 tout foutu. Mais bien que le monde a, l'eau. Donc, il y a mieux que quoi. Mais il n'y a pas de alors, on va te répéter 10 lampes lucioles. La luciole, c'est une marque. Pour attendre un sangouin. 10 lampes lucioles. On peut tout me dire. On va te dire que la luciole, c'est un secteur. Mais lampe, on va te dire que la lampe, c'est un secteur. On va te dire que la lampe, c'est un moi, pas chier. Mais on va te dire que la lampe, symbole, parce que ça signifie enfin, la lumière. Je suis bien, il n'y a pas besoin de ça. On ne pourra jamais mettre une lampe sous le boisseau. Il y a un tamina.
mais baba tout le monde a commis quand tu as zoé à commis un peu la tata zoé dit tu es gris donc il s'agit à votre âge à quand il faut le faire avec passe on a mal les macarabrigana on dit bah car bon bon ça me met courir c'est devenu trop moderne. Je suis pas bien, 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 quatre pièces d'étoffe, un wax, super wax. Donc on a ça dans le cadre du tambala. On a mis un bel mur à la vie car on parle. Wax, Zoé, quand tu avances, tu as un wax hollandais, un super wax. Tête là, founda. Eh, bah maman y va doubler la camo. T'as la malleque va chiri. T'as un kémo ou au néné. Il m'a beaucoup bon. La caca chatouille va soumiller. La caca cataraca. L'Angleterre va comme soumettre. T'as pour Hollande, puisque c'est des wax hollandais. Il va avoir toujours les quatre pièces. Donc, super wax. Accompagné de Bitambala. Na, Binzembele. Parce que Baba y avait donc un chabre l'ombre de 4 pièces. La 4 coups de moi, c'est pas facile, c'est pas évident. Tata, madame. Et tata. Dis-moi, oui. Avec les Toki Ko, le Covid, l'Ukraine et consorts, on vient d'épouser une fille, on vient demander la main de ta fille, on t'apporte des présents. Je pense qu'il faut sauter dessus plutôt que d'attendre, réfléchir longtemps. Donc, je vais vous dire que je suis venu à la maison. On a été honoré. Donc, nous avons demandé en effet. Ma maman, vas-y, mais bien donc. Par le moment, le maître, le bon son, le bon essai apprécié. T'as pas coûté, quoi, là? T'as un bon jour, quoi, t'as un bon bien ou? T'as un tout ça, bien ou? T'as un gagné, t'as un bon. T'as un bon jour, t'as un bon jour. De l'autre, ma crédit, c'est ma table là, bio. T'as un bon table là, bien, le bon loisir. Fantaisie. T'as la fantaisie, quoi, ou t'as la boîte? T'as la place Vendôme, babelle. Nous connaissons les couneaux de la salle. Ah, ben voilà. C'est bon. Oui, mais là, c'est en fait, c'était en ligne. Alors, on est mal loti parce qu'on aurait pu avoir un. On aurait aimé avoir un tapis. On va faire ça. Ah, d'accord. Bien, au calme. Maman, vas-y, mille les miango. Bon, moi, je suis content que vous mettez là. Super wax. Il y a un maillot jaune. Donc, super wax, monsieur. Si, donc 5 mètres carrés. Monsieur. Monsieur, super wax, super nati. Nati, tambala chant. Tambala chant, il faut que ma maman va venir à ma base de bébé. Ça va loin d'accord. Loin d'accord. Loin d'accord. Loin d'accord. Loin d'accord. Loin d'accord. Loin d'accord.
Nandela Oberita Blaka, comment ils appellent ça? Maman, tu m'as retrouvé le canal. Tu m'as retrouvé le canal. Ekita, Ekachi. Merci, ma soeur. C'est du vrai. Et donc, super wax, il y a jaune, il y a où. Nous étions là, tiens. C'est du vrai, hein. Nicolas Tabele. Wakaka. On a usine, hein. Wakaka, où nous avons, tu t'emballes un peu. Tini, ciao. Ah, ma tour de tata. Tata Keba. Quand tu fais des choses, il ne fait pas de moitié. Lélo à quatrième, on voit un peu. Mais là, c'est harmonie, hein. Ah, le nom, il s'appelle le génétique, ou pas là-bas, qui est tout. Le camp, quoi. Tout tourne. Ouais, il y en a un quatrième panier. Voilà. Donc, il y a quatre pièces d'étoffe, super wax, quatre mouchoirs, plus boucle d'oreille. Bah, maman, tu as dit, moi, je suis quoi. Quand le sort là, il y a le maillot rouge, maillot jaune, maillot vert, maillot bleu. Voilà, il y a des gens qui ont par pression. Ou tout cas, quand tu as sur la nette, ou Mansuki n'a tant pis pour sa position. Voilà. Donc, au niveau Bachiri, on a bu un peu comme ma maman. On a bu un super wax, on a bu un petit tambala, on a bu un peu. On a bu un peu. Ah, tiens. Une fou. Ma maman, je vais vous la dengana, pas dengana. Et donc, voilà. Tsengo. On va prendre un peu de Tsengo. Donc, je reprends encore. Cinq machettes. Cinq houes. Une grosse casserole en aluminium. Un panier de tabac. Donc, on va te dire, bien tu puisses négocier ton zonzi, tu es guéri pour le bouffon à gagner. Donc bien bio, quand tu m'as bien. Un panier de noix de cola. Quand tu l'as un panier, comme on a une bonne partie déjà, qui est là. Hein? Mon tête ma casu. Bon, mon tête pour lui voir comment tu fais du tout comme on a fait mon tête ma casu. Mais tu as tout ça là pour être au bac, au bac, au bac, au bac, au bac. C'est comme mon tête au bac. C'est un peu plus grand que ça. Mais on a. Voilà, d'une manière symbolique, hein, la case du Mahoma. Mais tu dis, à part, dans le on a essayé de faire quelque chose. Merci. Donc, nous avons aussi complété. Mais là, tu as la bika bika. Bika bika, ma tata va courir avec moi, ma maman. Moi, je suis un petit peu. Moi, je suis un petit peu. Moi, je suis un peu. Ah, bika, tu es un peu. En fait, ça englobe les conseils. Tout ce qu'il y a comme autour. Conseils, mieux, je me confie le groupe, moi, je ne dis pas des revendications, etc. Bamla kabamla tala ubatakzu kobeto abenda koka gowina ma mbataka bamla mfuturu tacha akamba ka libuna ko fana kanik bika bika dina kobeto mu tradition ya beto katata ku fusa fusa ka de mai wati di mu ci baka mu songla ci a tata ni samu kai digi dipe longa ka longa mama pe longa ka longa bon ko na ko batata bika bika da tata batata c'est bien écrit bika bika da tata. Pourquoi ma maman, tu n'as pas fait bika bika, il y a marre. Donc ça, c'est autour, autour des conseils, de l'éducation. Mieux quand même, c'est une tête là, si on croule à moi là, nous voulons tout de suite bika bika. Il y a marre. Donc il y a aussi un peu, mais tu peux te dire que tu as tant de choses, le coup de mina. Kazera tele bitu batsu watu zebi expression yi funde de bor la munji la c'est traditionnel c'est symbolique est-ce que on va pas expliquer ça ici kazera tele ngal le tour du mouman en fait on parle de la femme on va pas trop expliquer sur ça
expression là, mais ils ont le temps diambo. Foudre la bonne mounzi. En fait, ça fait de la femme. Je vais là. Je vais te dire que je vais te mais, il y a des gens qui ont été fondés pour la Mounzila. C'est connu. Vous avez fait des choses dans le 10 litres de pétrole. Vous avez fait des choses. Pétrole, c'est la station. La Ukraine. Vous avez fait des choses. Mais bon, ça c'est la vie avec l'intermédiaire, 10 litres de pétrole, 4 paquets d'Helmet. D'Helmet, Et donc, tu aurais vraiment pour 10 couteaux, tu vas te les mettre en bata. Mais le riz, ma caca, quoi, ma poêle, ma maman, tu vas te les mettre traditionnels, mais les en bata. Qu'est-ce que tu as fait? Mais après, il y a un peu, il y a une tramoutina. Ah, mais quand même, précision, vous voyez, hein? Il y a tout le qui m'a mis dans ta mida. Donc, 10 couteaux, mets les en patate. Vous avez le coup. Vous avez de laine. Vous avez une couverture en laine pour deux personnes. Mon tête me fleurit. Il y a 2 mètres carrés, il y a 1m60 sur 1m40. 2 mètres carrés. Hein? Ah, moi j'ai jeté pour mon bagage parce que j'ai chuté au gata. Mon négociant. Ah, mais tout. Vous pouvez le faire tout. Une couverture en laine pour deux personnes. Bon. Gouvernement, parce que Naoko, on est passé, on a vu ça avec Tata Meda. Bon, avant de tirer Tata, 5 gros morceaux de savon de Marseille. Ça va Marseille, vous mettez une sangouille. Estampillé, pas. Ça va de Marseille, fou de dire. Quand je suis à la tâche, quoi, tout le monde m'a dit, c'est où? Parce que je bouille. 5 gros morceaux de savon de Marseille. Et là, on a un bonus de quand même. Ça va bien. On a un bonus. Donc, une zamouni, zamouni à Marseille, il y a une zamouni pour la gâte. Si vous voulez, tiens, mon bois, on va voir un sac de sel, 10 kilos. Parce que je me suis dit, je suis un peu plus de bois. Il faut que je suis un peu plus de bois. Je me suis dit, je suis un peu plus de bois. Je suis un peu plus de bois. Sac. On a un mec qui fait moins fait sur ça parce que mon goût carana. Il ajoute le goût. Donc tu veux dire. Si tu t'es ying, nous sommes niques, tout ça dans la tête. Dans mon vide, nous sommes niques. Soukou, tiens, founia. T'es les gens qui ont le boucané, gibier. Soukou, tiens, founia. Soukou, tiens, founia.
tu as un soukou, tu as le zébi. Hein? Soukou, tu as un founia. Aka. Tu as la bonne sagesse, bon altamona. Soukou, tu as un founia. Quand tu as un bijou, tu as un tout et un anime, un colombien, un tout, tu as un anime. Tu as un soukou, c'est l'arrière, le derrière. Soukou, tu as un founia. Wompe, bon, je viens de Bougane, c'est-à-dire que ma bonne, les gars, ma télé, ma chérie, c'est Taraka. Fumé. Boucané. On peut voir, on s'accable, on a même joué sang, tabac, mouche coucou. La chérie, maman, tu vois, 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 tu bon, on peut pas chercher une macaque ou cantine si vous gagnez pas ça. Jean de Boucané, Julien, sous-coutin fouillant. Entre parenthèses, sous-coutin fouillant. Ouais, puis dis-moi. Ah, aura. Le autre côté. Quand tu s'apprécies, on a ta côté parti, tu vas couiner pour. Tata, si vous tuez un gagnant, vous le savez. T'as pas qu'on a beaucoup, quoi, parce que dans le nord de la Suède, c'est quoi? C'est 45 degrés l'hiver? Moins 45 degrés? Ouais. Eh ben dis donc. Ça, ça suffit pas. Hein? Ah bon? Il est malopéen, donc on a dit qu'il faut. Donc on peut moller, mais que tu sais, mais que tu pourras. Quand on dit qu'on va combattre les deux personnes, quand on va foutre ça. En tout cas, merci. Donc, bon, vous êtes content que tu t'es sur ta caca. Ça m'a coué là. Parce que là, on a beau donner tout ça. Je me suis dit, là, on t'a tout là. Faut que bah, Thomas. Mais tu te mets, c'est quoi? Mbongo l'on kento. Avant de t'aider là-haut. D'accord. Et t'as ta médaille en bas, c'est tout. C'est l'autorisation d'aller habiter avec d'accord. Une femme. C'est-à-dire que moi, ma fille, pour qu'elle vienne chez toi, alors, le monde fonctionne un peu à l'envers. Voilà. Ce que le monde apprécie aujourd'hui, c'est pas, comment dire, c'est comme quelqu'un qui fait du fashion et quelqu'un qui s'habille. C'est pas la même chose. Je veux te donner ma fille, mais pour que je te donne ma fille, il faut que tu viennes d'abord me voir. Il faut que tu demandes l'autorisation. C'est ce qui est en train d'être fait. Quand Jean-Claude n'a pas fait ça, on lui a taxé des amendes. Il a été taxé d'amendes. Donc il a payé le fait d'avoir pris la fille d'autrui sans autorisation et de l'avoir même enfantée, d'avoir lui donné un enfant. C'est du coq à l'âne, mettre la charrue avant les bœufs. L'idéal, c'est aller épouser une femme, aller demander sa main chez ses parents, l'emmener chez toi et lui faire des gosses. Faut pas commencer par aller la chercher, partager le lit avec elle, faire des gosses et puis revenir voir la famille. On marche un peu, voilà. Donc l'autorisation, Donc tous ces mentons là, on ne les divulgue pas, simplement pour pas que ça donne l'impression de vendre quelque chose. Voilà. Il s'agit pas de vente, encore une fois, il s'agit d'une coutume. Voilà, il faut donner quelque chose à la famille qui vous donne leur fille. Donc il y a un bébé de Monglon Kinto, mais tu dis qu'il est quelque part ouana, car moi non, vous tout tenez qu'à tenir au Congo quoi. Quand tu chies là au Congo, 8000 km. Hein? Produit importé, même pas chier ça. Justement, oui, 8000 km, bon. Alors, quand tu consommes là, il y a comme 7 euros, mais. Quand tu as eu au Canada, pour moi, tout pour la Méditerranée, bon. Il y a quand même des fois à 100 francs, pour attaquer à 150, des fois à 1,50€, des gars à 1€. Ah, quand même. Je l'ai Je l'ai cassé. Justement,
on était obligé, c'est tout à fait normal, on était obligé, parce qu'on aurait mieux mis à 20 secondes à effectivement, on connaît mon Zakala. Donc, tiquez un peu, et tout quoi qu'on a voulu, on a dit coucou, côté les Mkati, on a taxé mon camp de Chili. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, moi, là qu'il y a tout bon, et puis le voit tout cas, Chili bien avant de se dire, voilà. On a essayé de voir ça avec Meda. On va pas vous le dire combien on a donné, mais retenez que mon grand qu'il y a tout réuni, n'a déplacement tout foutu, mon cas de déplacement, on a taxé un ticket, il y a Air France et bon. Et enfin, une dame jeune de vin rouge, plus tire-bouchon. A quand même la voumou, il me va ma sauvenco. Ouata. Boucher le baran, il y a liège, donc mon soublo, il faut tabini. Vous bouchez les chiques, c'est là. La case que vous savez, vous bendelez, la case que vous savez, vous chidez. Quand vous avez des tire-bouchons, vous avez une case spécificité. On n'a pas dit qu'il nous fallait un truc de. D'IKEA ou de. Voilà, on a tout simplement dit. Dame Jeanne de vin rouge plus tire, un tire-bouchon. Ça aussi, on l'a vu avec Meda. Tire-bouchon, Dame Jeannine, on a essayé de voir, on a essayé d'estimer. On a trouvé une solution pour ça. Il s'agit de l'autorisation, même pour se marier, une fois qu'on est passé par le mariage coutumier. Avant d'aller au mariage, il faut demander l'autorisation. Justement. Et l'autorisation vaut donc une dame jeune de 20 ans. Donc, on peut le longo, donc entre parenthèses, demande d'autorisation de mariage. Ça nous vaut une dame jeune de 20 rouge plus un tireur. Plus un tireur rouge. Bon. Voilà la conclusion, voilà tout ce que nous avons. Nous vous a proposé, on avait prévu, vous ne pas proposé vous dire, sur le mariage coutumier de notre frère Mouala. Kéba Jean-Claude et Madame Nantelmio qui fout là, Clarisse. Quand tout ton délai, vous Tout ton délai, quoi, mais tout ton délai, oui. Tout ton délai, monsieur, tout ton délai. Donc tout ton délai. Tout ton délai. On a ça, on va me chier, on va pas chier, on va donc tout ton délai. Voilà, merci, en tout cas. C'est vrai qu'on a été peut-être un peu long, mais c'est ça aussi, peut-être nous, on a été court, j'en sais rien. Mais vous nous avez permis que vous nous écoutiez, c'est une bonne chose. On a essayé de partager ce qu'on avait en commun en tenant compte de la liste. Et donc, Tata Meda, je te remercie aussi d'avoir participé à ça. On se remercie. Et je remercie aussi Tata Kifoula, qui est mon ami, qui est voilà, de longue date. Bon, en fait, on est dans la famille. Bon, ça, c'est des couteaux, on appelle ça des doux. Canif, tu sais, mais en fait, c'est en anglais, c'est knife, du terme de canif. Mais en fait, c'est écrit en anglais, mais tout canif, tu l'attaques. C'était en fait knife. Bon, voilà, donc il y a des doux en complément. C'était prévu en complément, voilà. Donc voilà, en tout cas, une fois de plus, merci pour votre attention et merci d'avoir. Vous aurez plutôt souffert de nous écouter. J'ai l'impression que c'est terminé parce que je peux garder ma fille chez moi. Hein. Non. Il veut se barrer. Et... Je ne me barre pas. Pour cette partie, non. Très bien. La partie-là. Parce qu'une deuxième, enfin, une dernière partie, voilà, on a intitulé Mystère. Voilà. Et c'est à ce moment-là, avant qu'on passe à la troisième partie, je voulais demander à. Non, pas. Avant que notre frère Aimé vienne. Nous égayer par ces sonorités traditionnelles. J'aimerais entonner une chanson que certains d'entre nous connaissent bien. Samu wa makwela e Dama wa ilama Zambi wa ilikao Tukamuna matukulu Samu wa makwela e Dama wa ilama, Zambi wa idikao, Dukamuna matukulu, Bukamuna kitsona kiada.
sisa masema u yengu diza upe mukwe idi kakanda jau muju tukona limba bafuti sisa masema u yengu diza upe mukwe idi kakanda jau Nimujambu diname tope nungu kitu fukani hauha Tua yanga ya leke nube tobabo Mundu mweki Nimujambu diname tope nungu kitu fukani hauha Sono, lusala sana, nangata sana zitu vieno Bulu kwelane, lubundane, lwekani tumosi Luzolo sono, lusala sana, lunata sana zitu vieno Ae muzola, muzola, muzola Mais toi, tu es en délai, vous avez un simple tout natif. Mais bon, il m'en a beau, l'umba qui dit, l'oulendo, y'a que Bako Kena. Mais enfin, quelle assemblée! Mais bon, il m'en a beau, l'umba qui dit, l'oulendo, y'a que Bako Kena. Mais bon, il m'en a beau, l'umba qui dit, l'oulendo, y'a que Bako Kena. Ma fille, Ukiza kumputu. Jamudu tu bongo de chana mundu te bizulu muketu andi. Men hangu ina kwela kumavula. Mkatoven 18. Atela mwana bakalofu zakadega. Nke nto. Peloko nto ya nke nke. La femme, en langue c'est nke nto. Nke nto tu kwete ke kuramo. En fait, Ntoyanke, Ntoyafioti, un ruisseau. Et il m'avait expliqué à l'occasion l'intérêt d'un ruisseau. Alors, pour réaliser l'intérêt d'un ruisseau, il faut se rendre au village, au pays. Quand il fait chaud, on est sous 45 degrés, on a travaillé dans les champs, les mamans ont travaillé, batata, basolele, basengele, basile, batage, les métiers, tout ça. Mouinou, tekele, n'tangui, bako, batakwe, yen, n'ka, yené, moi, mab, fiyoka, rane, moi, russe, fiyoka, rane, n'ka, bele, moun, n'ka, bele, kote, samar, moun, n'ka. Tchouji, chineke, moun, nitu, nidia, nitu, nidia, nkento. Donc, celui qui a une femme a un ruisseau. Boubanan, kento, kunzo, kento, bounoka, bokota, kunzo, moun, kento, kongentima, nidia, tchouji, chineke, moun, nitu. Et la Bible dit, c'est des choses que nous dirons tout à l'heure, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mesdames et messieurs, c'est pour ça qu'on nous chamaille des fois, tu veux t'épouser, on te menace, tu veux faire ça, on te menace. Non, mais parce que tu vas vers les grandes choses. Le mariage, c'est ce qu'on donne aux grands, c'est pas aux petits. Voilà, hein, aux gaillards, bienvenue dans la cour des grands, mon cher ami. Voilà, et tout ce temps que je suis en train de prendre là, c'est en attendant que donc la mariée, nous allons faire le mariage. Hein, on ne les a pas encore unis, nous avons pris des choses. Maintenant, nous allons faire la cérémonie pour les unir, pour formaliser les choses. Et je suis content pour le bien-aimé parce que, vous savez,
le mariage, pour ceux qui croient, et reste une recommandation, un commandement de Dieu. Mariez-vous, allez-y, remplissez la terre, faites des enfants. L'homme quittera son père et sa mère, il ira s'attacher et ils deviendront une seule et même chair. J'aimerais juste, dans le cadre de la conversation, pas vous parler des bienfaits du mariage, mais mesdames et messieurs, croyez-moi, il y a des mariés dans cette salle ou pas? S'il y a des mariés, je vous prie de lever la main. S'il y a des gens qui sont mariés, même coutumièrement, hein? Voilà. Donc, vous leur poserez la question, s'ils ont eu la tentation de faire comme Jean-Claude, c'est-à-dire de connaître la femme et puis de venir voir la famille après, et ceux qui ont fait, qui sont passés par là, qui ont connu les femmes avant le mariage et pendant le mariage, c'est un baiser différent. C'est un baiser avec droit. Voilà. C'est payé, ils vont se cacher parce que là, on va participer désormais à ces actes-là. Je vous assure, c'est comme faire de la balançoire. Dans le mariage, c'est comme ça que ça se passe. Permettez-moi de vous emmener sur ce genre. On peut applaudir quand même, quoi. Voilà, compliqué. Voilà, parce que vous n'aurez pas besoin.
merci. Dis merci. C'est pas mérité tout ce qu'on a pris ici? C'est mérité. Hey, une bombe comme ça. Si, bon. Mérité à 100%. Maintenant, nous allons demander, puisque nous on ne connaît pas notre futur gendre, nous allons demander à Nanit de regarder dans l'assemblée et de bien vouloir nous présenter la personne qui nous a ramené des choses qu'on a prises ici. À toi, Nanit, de jouer. Ramène l'homme qui a flashé, sur qui tu as flashé, ou sur l'homme qui a flashé sur toi. Voilà, à toi de jouer. Maintenant, ramène-nous le beau gosse. Au nom du jour, je cherchais, c'est lui que mon cœur aime. Au long des jours, je cherchais, c'est lui que mon cœur aime. Au long
Babi, bi, 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 Alors, est-ce que vous voulez encore qu'on soit plus pédagogique qu'on n'a pas été ou qu'on l'a été depuis tout à l'heure? Donc là, nous arrivons à la phase de les marier. Si je puis me permettre, le mariage, c'est aussi dans le cœur que ça se vit, mais nous allons essayer de faire le rituel. Nous aurons besoin de deux verres et de demander à y a Jean-Claude qui représente la famille de nous dire ses goûts. Comme ça, on va préparer... une boisson. Tata ju quoi. Et donc tu natineno natineno vers Zoleko. S'il vous plaît. Dans une phase qui est assez solennelle, assez spirituelle, assez sérieuse, je vais donner un verre à Nanit. Celui-ci, je vais. C'est un premier temps. Nanit, je vais te laisser remplir ce verre. Et aller voir. Apparemment, tu n'as plus la force de. Apparemment, tu n'as plus la force, je le fais à ta place. Je ne peux pas manger mieux, en fait, avec la robe. Ah bon? Eh bien, tu vas faire un effort. Ah non, je ne peux pas. Donc, de Nizakala Fouakou, tu vas dire que Yaya, que Malavuma, Jean-Claude, Kabwa Benamunjila, Unasukesan Tiba, Netimo, Nwamo, Kuluka Moko. Non, tu dis Malavuma ma ya ya nwamo bagala de meno wezirinamo mani malavuma que je kwera la longo Malavuma ya ya bagala meni timo que je kwera la longo je lo nwamo a chwa tsali. Matondo, mon coumé est attaqué fou là. Dame à couillou là. Les demandes au roi malavouma. Moukirika, les demandes au roi malavouma sont que la louka. Une troisième fois. Moukirika, les demandes au Matondo. Ya ya noa kwaku. 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 Voilà, bravo. Nakwe tulisa ngane tata Jean-Claude. Musongleti reni, l'homme quittera ses parents pour aller s'attacher. Donc ni katuka mukwenda. Ya furutina tibatunga na tata Jean-Claude. Malavuma nwini. Tata mpema katambuli. Kandere kunaka tata mpema avansini. Ya batambuli. Matondo buleni njila ina ifona kana. Likanzambi. Alutuwa nisa.
vous êtes la matuende, la voiture ça, vous n'avez pas de garde. Tata Mouala, Ndoyi, Jean-Claude, Mbangyan. Il y a quelques années, Boutaz Avassana Koumavoula, je ne pouvais pas imaginer qu'aujourd'hui je devais devenir mon beau-frère. Ma tante Bouissa honorait Kandera Bête. Mon koumou ya Kandera, c'est ce qu'il faut là. Je préfère dire ça en français, ça confier. Mbangyan et oui. Waneto. Prends soin d'elle. Et je pense que Nabeto, Nababansuni Begaga, Nakanda Berangue, nous sommes avec vous. Nous allons vous accompagner. Tatanzambe, Tatalambe, Tatouri, Kidambe, Tatiyambla, ils vont nous accompagner. Ils vont vous accompagner. S'il te plaît, prends soin d'elle. Très bien, bravo! Bien-aimé, permettez-moi juste de dire une prière à l'instant avant qu'on continue la suite. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire un grand merci parce que ce que toi tu veux pour nous s'accomplit quoi qu'il arrive. Merci pour cet instant, Seigneur. Nous ne sommes que des humains, mais nous avons la conviction ferme que tu es là. Maintenant, Seigneur, les mains qui se sont mises ensemble, je te prie que tu les soudes à jamais dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On va passer à notre... de la main droite. La main droite, c'est là-bas. Donc, je vais t'aider. On va écarter ça. Tu vas faire boire ton chéri, parce que Beto Bakwe le Sakan Kento Bakala Kamina Kasamo Moyo. C'est comme ça que ça se passe en fait. Donc Tata Mouala Bobo Nana Mouarin qui a pris le bol à mon gars, Tima Mouarin qui a pris le bol à mon gars, Tima Mouarin qui a pris le bol à mon gars, Tima A toi, Anani. Plus explicite. Musamu wala lumuka waba malata tuka. Pondo kwa zaba kana bakula ko mais seulement un jour au plateau de 15 ans. Yokanta ko yoke. Tu dieti mariage na yani. Mariage ta diata. Peta diata mariage, ma tu busi tete tu mushi. Ya le fille d'honneur, mes garçons d'honneur. Au même moment, je la retrouve au quartier à plateau. Quand je retrouve Nanit au plateau de 15 ans, c'était une collègue. Donc, c'était une collègue parce qu'une tête d'attente dans le mariage. Donc, je la vois quand elle est au plateau. Tu vois, c'est une beauté. Moi, dans mon fort intérieur, je me dis, Ngembo banque toi. Amen. Amen. Je dis ça comme ça. C'est comme ça que je l'ai dit. Et quand je l'ai dit, ça m'a mis que les mêmes mingues et yinge. On se revoit en France. Une circonstance, il y a le Ghana, peut-être c'était un moment il y a malheureux, c'était pas. Mais j'étais ce jour-là avec mon frère Aimé Bayenana dans sa voiture, tout en tout là, Baoumpe, il voulait se déplacer. Et nous avons pensé, Aimé et mon frère, et plutôt moi et mon frère Aimé, tout le monde dit, ça va tout ça ouma parce qu'il fallait que ça va comme ça quelque part. Et dans cette voiture, nous étions. On a sympathisé, même bien avant le départ, on a sympathisé de là où nous étions. Quand on a sympathisé, et puis on s'est... Bon, ça, c'est un numéro. Et mon numéro, je n'ai jamais eu de numéro. Ah oui. La suite, quand on se voit, tout parce que mon nana, je me dis, au moins, on a un calme. Je dis, amen, t'es que tout, le mon nom, on a quand même un beau comme nous, on va te dire, parce que de façon qu'on a dit, on était moins en bas, on était même pour nous tout seul. Et le Dieu du ciel a exaucé le vœu. Mon vœu a été exaucé. Moi, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.
Donc c'est par la grâce de Dieu que les choses se font, sans pourtant qu'on le sache. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Que Dieu soit béni, je vais pouvoir... C'est le clou du spectacle que d'autres appelleraient par la cerise sur le gâteau. La demande est difficile. Là. C'est le saint baiser. Bon, c'est le moment là. C'est la partie là. Merci. Vraiment, où est-ce que vous allez?
Parce qu'ils s'aiment, ils embarquent avec eux les deux familles de madame et les deux familles de monsieur. J'attends que Jean-Claude soit disponible pour qu'il présente tous ceux qui sont venus derrière lui. Donc il y a Jean-Claude, Kanadi Nakuara, la génération Yangebeni, Nabala, Nabatekolo, Nabaketo, Nabamwadu. Naba frère, Nabi Bushi Benanit. Ningi Wagabasu Ngilaku Kadala Tata Mwala. Je vais d'abord commencer par présenter la famille qui fout là. Nous sommes donc actuellement 9 enfants issus de la famille Kifula, du couple Kifula. Nous étions... Nous sommes 9. Nous étions 11 au départ, issus de même père, même mère. Donc en première position... Kifula Célestin Ismaël, qui n'est pas ici, qui est au pays. Donc notre frère aîné, suivi de votre humble serviteur ici, Jean-Claude Bello, en deuxième position. Et après... D'accord, donc bon, après moi, donc venait une fille, Christine, qui nous a quittés très tôt, à l'âge d'un an. Et après Christine, donc venait Banzulu Etienne, qui nous a quittés en 2018, paix à leur âme. Après Mbanzulu Etienne, vient donc Charlotte Kifoulan-Lévo, résident à Pointe-Noire. Elle a suivi la cérémonie via WhatsApp ce soir. Merci pour la technologie, pour les possibilités qu'on nous donne. Après donc Kifoulan-Lévo, Charlotte, nous avons donc monsieur... Jean-Aimé Kifula, Savukulu, notre artiste, l'artiste de la famille, résident à Caen, Normandie. Après donc, Monsieur Jean-Aimé Kifula, nous avons Maman Matondo, Clarisse. Léonie Béatrice, résident Paris. Et après, donc, Léonie Béatrice, nous avons Jean-Vincent de Paul Kifula, à Brazzaville. Après Jean-Vincent de Paul, nous avons donc la personne clé de ce soir, de la famille Kifula, donc. Maintenant, nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent nous écouter. On ne peut plus se poser cette question-là parce qu'il y a beaucoup de familles maintenant aujourd'hui unies qui peuvent nous écouter, avec qui on peut parler quand on a des problèmes. Quevin, qui est à Brazzaville. Après Quevin, nous avons donc notre dernier, le Benjamin de la famille, Benjano Franck,
qui en ce moment-ci est à Dakar. Donc ça, c'est la famille Kifula. Papa Kifula nous a quittés depuis très longtemps, en 1986, à l'âge de 50 ans, très jeune. Maman nous a suivis sûrement par WhatsApp, via WhatsApp ce soir. À l'âge de 82 ans, elle réside à Pointe-Noire aujourd'hui. Et puis, bon, nous avons aussi, depuis Brazzaville, il y a eu des nièces, des neveux qui ont suivi dans WhatsApp, via WhatsApp la cérémonie. Donc voilà, ici maintenant nous avons aussi, vous allez m'excuser parce que ne résidant pas en France, donc il y a certains visages que même j'ai découvert ce soir. Donc vous allez m'aider, hein. La Mara va commencer par la Mara. Voilà, la Mara. Ça, c'est notre représentant dans la sapologie. Si vous voyez les allures numéro 2, les originaires du pays de Nantes, vous le verrez en costume en wax. C'est la Mara. Voilà. C'est un cousin. Et puis, voilà, on continue encore. Bon, je peux commencer ici. Oui, je peux continuer. Regarde, ah là là, il est là. Il y a l'oncle. Moi, c'est le 20h. T'as honoré. Il est là. Donc, là, c'est la figure quand même au niveau, quand tu as dit tonton, c'est ici. Voilà. C'est très important. C'est le représentant de notre tonton ici en Europe. Donc, voilà, il est là. Et puis voilà, je continue. Là, c'est ma chère épouse, enfin ma chère fiancée, Célestine Safou. Nous avons aussi ma belle-sœur, Aline Malemo, et son époux. Là, nous avons le beau-frère Jean-Claude Sita. Nous avons beaucoup de Jean-Claude dans notre famille. Hein. Il y a un autre qui vient s'ajouter, donc on est vraiment bénis. Jean-Claude Sita. L'ami de Léonie. Nous avons Vanny, l'ami de Aimé. Vous voulez le magistrat? Pardon. Voilà. Nous avons. Voilà Chimène, hein, c'est une petite sœur. Bon, donc tout ce côté-là, voilà, ça c'est. Il y a aussi la petite sœur. C'est la famille de la petite sœur d'abord aussi. Il y a des petites par alliance. Voilà, il y a aussi voilà, Mama Zondi, qui est là-bas aussi, qui est aussi une petite sœur parce que, voilà, je l'ai vu grandir vraiment. Voilà. Ça, c'est le quartier d'abord. Le quartier d'abord. Merci que vous soyez là. Il y a une sœur aussi, par adoption, depuis le lycée, Mamani Florence Massimo. Voilà. Et puis il y a aussi les frères et les sœurs. Je n'ai oublié personne. Ta Samba. Je viens, j'ai pas encore terminé. Bon, dans la vie, il y a des gens qui ont double face. Il y en a toujours. Et parmi eux, nous avons ici un qui a double face. Hein? C'est un cousin. Mais il s'avère qu'il est aussi parenté avec notre beau-frère. Voilà pourquoi je l'ai pris en dernière position. Et les gens à double face, il faut les respecter, il faut se méfier d'eux aussi. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont inventer. Donc il faut savoir parler devant les gens d'une double face. Hein. Voilà. Il y a aussi M. Mambaya, qui est un ami, un frère par alliance, un ami de mes collègues aussi. Le frère de Zao, pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà, la guerre, mon Dieu, c'est pas bon. En ce moment, s'il y a une guerre qui se déroule en Ukraine, on doit nous penser que c'est pas bon. Comme nous avons un représentant de Zao ici. Vous savez, les gens de ses obligations. J'ai une fille de 25 ans, Mama Lorissa Lubelo, et puis un fils de 23 ans, M. Benjamin Etienne Lubelo. Et aussi, ils sont avec nous en esprit et en âme. Voilà, je crois que je vais terminer. Et puis, je passe la balle. Eh bien, merci beaucoup, Tata Lubelo. Merci beaucoup. Merci. Merci. Regarde, Tata Nzonzi.
Tata Boyi. Si je continue, tiens. Ganto on dele. Njingu. Ka. Beton koutenam pe me katenam pe binko. Lujiri. Bakakama moulabena. Naratabe. Ranbabi koukou. On va plus parler de, des représentants, c'est Gigi Mouamou. Chinima Tata Mouala Keba. J'aime ta zonza quand je ne suis pas de la famille directe. Je vais emprunter l'expression de Tata Bello, pour le fasse. Je suis très lié à la famille depuis le Congo. Parce que Tata Bawa m'a fait témoigner à mener un mariage à l'époque. Tata Loko Abel. Donc, je suis comme de la famille. Tout comme vous avez un peu ma tata le Beluba, paroisse Moshi, ma tata qui foula, ma maman, tout le monde a la. Donc, c'est mes soeurs que j'ai vu grandir. Donc, je vais peut-être demander, Moussal, toutes les personnes, Benetibé, en lien la tata Mouala. De quelque manière que ce soit. Donc je vais commencer par la tante. C'est parce que je suppose qu'il y a un coup de là, Baou. Mais le beau Baou, c'est le Nima. Patata. Brice. Le beau Bakaka. Le nom de la terre, il y a tout. Quand tu as fait la terre, il y a tout. Le nom de la terre, il y a Naba beau frère Manuel Tela mabo bintu kuchini mete tata mwala bintu kuchini mete tata mwala double face ya double face big man double face oh non mete tata mwala tu bouche la nuit j'ai d'accord on pêche rabé des que le bagradian le woke là donc c'était la personne la plus directe par rapport à ça boba kabala wan kaji boba kaka c'est des amitiés c'est une nette famille boba boaka baoba touri. Donc, s'ils peuvent se présenter personnellement, c'est aussi une bonne chose. C'est participer aussi à la cérémonie. Ben voilà, c'est ça. Bon. C'est la famille, c'est bon. C'est la famille. Bon, c'est la famille. Bon. C'est la famille. Voilà, voilà, et voilà. Et puis on passe à. C'est la famille. C'est la famille. C'est la famille. La famille, c'est la famille. Non, comme quoi. Donc, vous êtes là, vous êtes là. Céline. Céline qui? Bateleka. Bateleka. Brice Rizolo. Brice Rizolo. Nyakamisuka Edmond. Nyakamisuka Edmond. Jimmy Francis Bateleka. Jimmy Francis Bateleka. Albert Sibatala. Aimé. Aimé. Il y a deux. Aimé parce qu'Aimé. Aimé 1. Aimé 1. Aimé 2. Aimé 2. Aimé 1. Aimé 1. Bon. Driska Bongo. Nimeskola. Claire Bayenana. Bayenana, oui. Allez, bah ouais. Kidam Alphonse. Et moi, Élie Urbain. Bouaï. Quand Bouaï a comme Bouaï. Bouaï signifie Toronto. Voilà. Donc, voilà, présenter la famille de Tata. Voilà. Quand tu t'as mis Miko. Oui, tu voulais parler? Et c'est pas pour le chipoter, hein. Oui. C'est vrai que Mfumbu, bon, c'est un beau quoi, tu dis, je m'en ai un peu. Mais Babing, il y a un peu de poil l'année. Maintenant, il faut que je puisse là-haut. Donc, Tchang, Barana, moi, tu vis comme ça, tu sais. Maintenant, je suis là, je suis là. Parce que maintenant, il faut que je puisse là-haut. Mais je suis là, je suis là. Après, c'est pas forcément tout le monde, mais les plus rapprochés, peut-être, bah, tu es là, voilà. Regarde, que... moi, je viens découvrir la sœur. C'est important de savoir la sœur. Bon, tu es là, bah, tu es combien plus proche en tant que fratrie. Bon, après Boba Kaka, on dit la famille, bon, comme on a dit. Bon, hein. Je crois qu'il y a la sœur. Je viens de reconnaître Bouchi. Voilà. Bonjour, le Kouiza. On va t'attirer dans ses amis. Donc, là, tu vas proche, je crois que c'est la personne-là que j'ai citée. Ouais. Voilà, la famille, voilà. Le tata est où? En tant que père, à supposer que fille, c'est à lui qu'on allait s'adresser pour effectivement faire le même geste qu'on a fait tout à l'heure. Donc désolé qu'on
pas fait exprès, mais bon. Donc voilà, la famille. Voilà. Ton décret est au mieux, hein, c'est au mieux que nous aussi on est très fiers de ce que vous avez présenté, la famille. Nabadou vous le fasse, bon. La famille. Donc tout ton décret, vraiment, je crois que la fête sera belle, tout à l'heure. On passera tout à l'heure. Nous avons, oui, non, mais parce que c'est pas fini, c'est pas fini encore. Mais ben, ton père, je monte la chingue, tenez. Mais toi, tu bouéni, tu bongélé, n'aie belé, peut-être que la bâtiment que tu as, mais conga, tu zupé, n'aie belé. Mais ben, tu peux comme, bah, loup au catoué, tu fais, tu peux chindika. Quand tu as du haut du chiri, et fort, moi, que j'ai tout coué là, moi. Je vais vous donner un peu de temps. Attends, mais moi, il voulait qu'il y ait un cacabadien. Il y a semoule de blé dur. Ah oui, naka. Eh, bah, il y a une fine, mais le quoi, fine, il y a oui. Voilà, je m'en fous de ma lui, il Il y a de l'oignon, il y a de l'huile, il y a la morue, il y a de l'huile, d'accord. Ah bah oui. Odia, il y a que dire, il y a que dire, il y a que ce moule, dire ce moule. Le cadre des mois, c'est ça, donc, bien ça, bon. On est à la date, on dit qu'on va la suite. Tomate, l'eau, sous. Comment tu Les gens qui l'ont représenté par le Congo. Je dis que tu me vois quand tu vas tourner le Congo, les pères, je n'ai pas là. Je suis représenté l'Afrique et Ayan Sonny dans le Congo. Quand nous sommes en train de faire des choses, nous sommes en train de faire des choses. Nous sommes en train de faire des choses en anglais. Mais l'anglais est en train de faire des choses. Quand nous sommes en train de faire des choses, nous sommes en train de Mwana kangurikila mwana una wamenu ngurika ira kongolezi ko martiniquez kame mwana mntaba kurisa ba bole njere kwa kuzonzele le kongo yale kongo yebule kongo yebankanga zapeto yebuye barabana ne bakote mwana musamu una na telumbuchi bobu ntalongo kam kunga wa angel mwana ka kuntala ne sui ah papa mais qu'est-ce que tu fais mais j'apprends un chant en anglais. Pourquoi tu ne chantes pas dans la langue de papi et de mamie? Moi, je suis là, 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 je
Au Congo, quand on était au Congo, mamie a chanté des chibatas, berceuses, hein? Des petites berceuses pour nous. Mais papa, un jour, tu as dit que la langue anglaise, française, portugaise, espagnole, toutes ces langues-là sont des langues de fouet. Mais pourquoi tu aimes chanter en anglais? Là, je dis, ma mère, je ne suis pas, mais moi, je ne suis pas, mais je ne langue de fouet. Mais pourquoi tu dis langue de fouet? Tu me dis amber ba nkaka sina za kutaba tata ba beno na bankaka bana bantama mazuni mo bere ku batwilaka bere ku zengila moko chang beto tukariru kwetu muvuto wa mazumo tanga bu chikongwe tukalungu china nibona zenga ti kandeni andi futu tanga mikunga mimi to gospel je matangiri mu anglais nini tangila mi muzura mebe. Nous avons dit que le genre musical est un bébé. L'Amérique est un bébé. Il y a 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 un bébé. Marie France, tu as là mon Facebook, mon YouTube. Nous avons commencé à découvrir Koun. Nous avons été au Congo. Nous avons été au Congo. Il y a 4 ans au Congo. 17 ans, il y a un an de 1870. Tizunga tchagatala mama batuka masembo mikunga mi batanga mu chikongo kakabira yemezaba kuni buna bagula ndongo na telumuchi ndongo tangi kwani mu chikongo onge chikotangi mu chikongo tupe chanta nangle ba angle zuda me bene ba angle ba luwa batanga mu chikongo bantsa bo senza zon so fimu mazumu kwa kuzina Saint Paul Saint Vimois tout Saint Sylvie bene sema longa yala mu na san na sembe ba bomo ngambo sembo tumusa yatoko eh tata nsusuwe. Donc, je suis très heureux de vous parler. 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 Je Tu peux aller? Oui. Yeah.
partir de 20h, un dîner dansant va commencer. J'ai envie de dire de 20h à l'aube. Il est 20h, c'est vrai? Non. Eh bien, donc, on va devoir enchaîner. On va devoir enchaîner. Donc, pour l'apéritif, là. Et puis après, au fur et à mesure, on va installer le buffet pour le repas de... Pour le repas, voilà. Et puis... Oh,
Yeah.
chérie, na lotio, na katia butu pembe nanga, mwana mama, koti chérie, na banzio, na katia maboko nanga, yokulila na bizi. Ya koti eh, eh. Ya koti ya kabinda. Ya koti na kobelela zonga zonga eh. Di manga na mongongo na se akwitio. Na yoka senti mara. Esengo na motema na lela libela poto vanda. Kasi soki bangu na bakote libiso ere. Tobunda si mande tokolonga liba. Kasi soki binemi bakote libiso koti. Olanda telanda se mobali na yo. Netinga pena kosala yo kosala. Netinga pena koloba yo kolanda mama. Bolingo yangana koti yeye putuju. Bolingo yangana mama yeye koti yeye. Koti yeye chéri. Koti nanga na bolingo ya nzambe. Zakomba eme atindi biso. Les obstacles que je ne franchirai pour t'avoir en moi de sel. Netinga pena kosala yo kosala. Netinga pena koloba yo kolanda mama. Bolingo yanga na koti yeye pour toujours. Bolingo nanga na mama yeye koti. Bolingo ya nzambe, zakomba eme, atindi biso. Sanduko tie na baby na makanisi yo. Yaka mama e motema nanga e paina yo. Zonga chérie, poto kutana na wana mpokwa. Tokende komela, tafe moko na biso na bino e. Sanduko tie na baby na makanisi yo. Yaka mama motema nanga mwe paina yo e. Zonga chérie, poto kutana na wana kinye. Tokende komela, tafe moko na biso na bino e. Dani Gobo, Adani. Koti ya kabina, koti ya kinye mama. Mwana ngoe, abimi mis na katia parie. Botu na ani abani, oyo ya mweka e. Alo bela bino e, la teli ya mer koti e. Sandu koti e, na bebi na makanisi ororo. Yaka mama, motema nanga e paina yo. Zonga sheri e, poto kutana na wana kinye. Tokende komela, taverno kona biso na bino e.
la mama, kuma bina mami, bala la mama. Mama me, yeah, patata, ah. Ah, 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 ah
Wallace. Ya Wallace. Wallace qui va. ¡Vamos!
Thank you.
Sabemos a la gente, por hacerlo yo contra la mamá.
De retour. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous avez trouvé la fête à un certain rythme. Et là, ça va être l'apothéose. Toutes nos excuses pour tous ces temps d'attente. Nous allons assister à une entrée d'abord du marié. Didier, si tu es prêt, je t'en prie, fais plaisir aux mariés qui l'entrent de la meilleure des manières, s'il te plaît. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Le propos est là, mesdames et messieurs. Vive le marié. Admirez, appréciez le marié, mesdames et messieurs. Quel homme! Quel homme! Non, ma belle, tout juste l'heure. J'en fais pour là. Cette fois à l'entrée de madame
laisser de libérer la piste, mesdames et messieurs. Laissez Jean-Claude tout seul. Je vous prie. Merci beaucoup. Laissez-le tout seul. L'émotion est attentionnée à son comble. Merci. Didier, un instant. Que l'émotion fasse son travail. Que de ceux qui pleurent sortent des mouchoirs. Nous allons faire un maximum de bruit. Un maximum de bruit pour Nanit. C'est qui fait la maman. Jean-Claude, tu peux accueillir. Tu peux accueillir, madame. Tu peux accueillir, madame. Oh, oh. Ah. Jean-Claude, mon voilà. En face de mes buts. Kiff. Oh, yes, c'est côté. Et c'est côté. Les mains en l'air, mesdames et messieurs, je ne peux pas. Mesdames et messieurs, les mains en l'air, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les mains en l'air. I'm
montre à la hauteur de l'enjeu, mesdames et messieurs.
Je vais t'en papa.
Oh,
Thank you.
Me dice el doctor que tengo sangre en el alcohol. Pero si tal de la banca
Thank you.